Gouvernement, ça bien. Si vous avez mis ça, dans la Zamba, vous allez dans la mon message. Bien, matin, on vient. Maman, tu n'as pas le Mesdames et messieurs, vendredi 18 novembre 2022, bienvenue et bonjour aussi Congo Live Télévision. GDO Sepengo avec nous ce matin en direct et en exclusivité. Je vous rappelle qu'il est Ligue des jeunes de l'IDPS. GDO, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour. Je vous vois sourire. Quelles sont les bonnes nouvelles que vous avez à nous annoncer ce matin en exclusivité chez nous? Merci. La première fois, je suis en train de rendre hommage à tous nos militaires qui sont sur la ligne de front, mais aussi à tous ceux-là qui sont en train de s'impliquer pour la paix et la sécurité. La nouvelle que nous avons aujourd'hui, c'est aussi cette malattendue du CIP de nos forces armées et les rumeurs qui fusaient de partout que nous avons été interdits d'utiliser nos armes qui ont été achetées pour mettre fin à ce désordre qui nous décime pendant, nous a décimé pendant un bon moment. À Beni, je n'ai pas oublié tous mes compatriotes qui sont en souffrance, à Ituri, mais aussi à Rutshuru, comme ici chez nous à Goma, parce que quand c'est nos compatriotes qui sont en souffrance dans notre zone, c'est nous-mêmes psychologiquement qui ne sommes pas stables. Alors nous avons vu cette malattendue être dissipée, ou cette rumeur dont la communauté internationale qui disait que nous sommes sous embargo et qu'à un certain moment nous ne pouvions pas utiliser nos armes, surtout nos avions. Et tout ce qui nous a réjouis, c'est de voir hier les opérations se passer très bien avec les armes, les avions de chasse. Et nous pensons que du cas de l'ennemi, c'est un débandade total. L'ennemi a été frappé. Beaucoup de territoires ont été récupérés par nos forces armées et ils avancent très bien. Ce matin, nous pensons que les choses sont en train d'évoluer normalement et que nous allons récupérer partout où l'ennemi était déjà, avait déjà foulé ses pieds. Cela est sûr et certain, vu l'attitude aussi de l'armée, son comportement, qui est, quand on les lit sur leur visage, on voit que c'est une détermination. Mais aussi notre gouvernement qui est en train de faire preuve de cette détermination pour finir une fois pour toutes avec ce désordre qui a été collé sur la République démocratique du Congo depuis longtemps. Un désordre qui a été créé pour essayer de piller nos richesses. Depuis longtemps, les gens se sont enrichis, les villes se sont construites en dehors même de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on parle des grandes villes en Occident. Nous pensons que tout ça, notre richesse, la grâce que Dieu nous a offerte est devenue notre malheur. Comment encore transformer ces malheurs à notre grâce? C'est ça la question importante. Et aujourd'hui, les privilèges que nous avons eu, la chasse encore que nous avons eu, parce que au moins Dieu nous a choisi quelqu'un, un président de la République qui a compris et qui travaille beaucoup. C'est ce que nous soutenons et que le peuple congolais continue à soutenir.
Alors, Monsieur Gédéon, on nous parle vraiment des avancées sur la ligne des fronts, surtout des Kibumba. Qu'est-ce qui explique cette montée des FRDC aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que l'M23 était déjà à la porte des Goma? Ou bien c'est parce qu'il y a, on ne sait pas, juste cette détermination? Oui, je pense que aussi, en tant que compatriotes, bien que nous ne sommes pas forts dans la stratégie militaire, il y a quelque chose à corriger. Un constat, c'est que toujours quand il y a affrontement, nos forces armées l'emportent. Mais il est vrai, selon les rumeurs que nous avons sur le terrain, mais aussi ce qui arrive sur le terrain, c'est que quand on essaie de conquérir des espaces, les espaces restent vides, n'est pas occupé par les FRDC, au point qu'encore l'ennemi vient reprendre ces espaces. C'est quelque chose dont notre armée pouvait travailler. On donne l'état aussi à l'ennemi de se reconstituer et revenir avec force. Et quand on les poursuit, il fallait les poursuivre une fois pour toutes, comme aujourd'hui. Il y a eu des opérations qui se sont bien déroulées, dont les FRDC l'ont emporté. Mais on souhaiterait que ça se poursuive pour bien anéantir l'ennemi. Il ne faut pas encore attendre pour que l'ennemi se reconstitue. C'est ça aussi, de notre côté, une petite faiblesse qu'il faut souligner. Mais par rapport à la question, qu'est-ce qui a fait? Je pense qu'on a multiplié, disons, les efforts, la motivation. Nous avons vu la présence de nos avions de chasse qui ont fait leur travail. Et cela devait donner un résultat tellement différent que nous avons toujours eu. Mais où étaient ces avions, Gédéon? Parce qu'on voit, lorsque ces avions apparaissent, et on les voit parfois partir pour pilonner donc les positions de l'ennemi, ça donne espoir, hein, vous voyez, ça donne espoir et ça, après ça donne un résultat. Mais du coup, parce qu'on l'a vu la fois dernière, ces avions, lorsqu'ils ont pilonné les positions des M23, il y a eu des avancées, ça donnait un bon résultat. Et après, les avions ont disparu. Mais aujourd'hui, comme hier, voilà, on les a vu encore survoler, pilonner plusieurs positions du M23, et du coup, ça donnait un bon résultat. Aujourd'hui, comment comprendre pourquoi ces avions, ils partent où? Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous essayons de comprendre. Oui, les avions sont toujours en République démocratique du Congo, ce sont nos avions, mais avec sa vitesse, ce n'est pas ça le problème. Et donc, à tout moment, les avions peuvent pilonner au moment opportun. Parce que ce sont des avions sophistiqués. Alors, évidemment, ça donne beaucoup d'espoir. D'ailleurs, vous avez attendu la déclaration de l'ennemi M23 qui commençait à dire que non, il faut que la communauté internationale puisse voir l'aspect droit de l'homme, que non, et les avions bombardés, les personnes, les civils. Mais on sait que c'est faux. C'est un intox. Nous pensons que l'ennemi est un problème. Les avions font réellement leur travail. Mais nous aussi, de notre part, nous appelons cette communauté internationale de ne pas encourager disons, cette mesure-là suicidaire que Kagame est en train d'imposer. C'est quoi la mesure? Aux Rwandais. Vous voyez les gens qui sont en train de quitter le Rwanda pour venir mourir. Justement, au Congo. Moi, je pense que ça c'est une mesure qui est tellement suicidaire. Je ne vois pas les Rwandais gagner cette guerre, je ne vois pas les M23 gagner cette guerre. Avec la détermination de notre gouvernement, surtout du président de la République, qui a fait preuve, parce que nous avons vu beaucoup d'homologues, disons, africains, venir auprès du président pour parler. La question de la paix, la sécurité, si on pouvait trouver une solution pacifique. Mais le président a opté, comme si, sur la voie de la guerre, il se rassure de quelque chose. Il sait que vraiment cette guerre sera gagnée. Nous pensons que c'est là où je dis même que cette mesure, le Rwanda s'est déversé au Congo, c'est venir mourir. C'est une mesure suicidaire. Parce que
attaque humaine, c'est là que les choses sont en train de se passer. On voit que ça laisse à réfléchir que ces gens, quand même, pouvaient prendre d'autres mesures que de venir mourir ici au Congo. Alors, Gédéon, on a annoncé l'arrivée des Ougandais aussi dans le cadre de l'EAC. Comment vous analysez cela? Merci. L'arrivée des Ougandais, ça reste critique. Le temps qu'on estime que même les Ougandais sont complices dans la situation et derrière les M23, ils sont en train de soutenir. Mais on laisse encore les privilèges à notre gouvernement qui a toutes les informations. Mais dire que les Ougandais ne seront pas là alors qu'ils sont déjà là, c'est dire une chose et son contraire, parce que depuis un bon moment, il y a des opérations qui se passent, des opérations conjointes entre FRDC et UPDF dans la zone de Beni. Et s'ils arrivaient, ça revient au même, mais ce que nous attendons, c'est les résultats. Et on ne craint rien parce que ce qui vaut ceux qui sont aux commandes dans ces opérations, ce sont les Congolais. Et les Congolais ont vraiment leur objectif, c'est de mettre fin à cette guerre. Si les Ougandais vont apporter quelque chose, s'ils vont renoncer à leur velléité, bien sûr, qui sont aussi cités, nous pensons que s'ils sont là, s'ils vont renoncer à leur velléité, qu'ils soient là pour mettre fin à... Mais monsieur Gédéon, vous ne cessez... Vous êtes parmi les gens également, bon... Là, je parle de l'IDP sur Nord Kivu, qui ne cesse en tout cas de dénoncer la présence de l'armée ougandaise aux côtés du M23. Et du coup, aujourd'hui, l'IPDF annonce aussi son arrivée ou bien sa venue à Goma, aussi dans l'est du Congo. Comment comprendre cela pendant que vous dénoncez et vous dites que l'IPDF serait parmi les militaires rwandais qui viennent soutenir les M23. Comment comprendre cela? Ça a été prouvé. Ce n'est pas que parce qu'ils vont venir que nous allons renoncer à des réalités, à des évidences. Ils sont cités. Nous ne comprenons pas, nous, seulement la cacophonie qui se retrouverait, qu'on constaterait, dans l'armée ougandaise. Mais UPDF est déjà au Congo. On ne peut pas quand même... épiloguer sur cette question, mais c'est déjà une réalité. Et s'il venait, mais je vois pas la différence. Mais comment on va se comporter sur terre? C'est comme alors on pouvait alors accepter que les Rwandais aussi, les militaires rwandais viennent aussi. Oui, je pense que la question est gérée. Ils ont annoncé, mais la question est gérée au niveau hiérarchique. Nous apprendrons des informations et nous poserons la question à la personne à la personne qui est censée répondre à cette question. Parce que nous, personnellement, en tant que civils, nous sommes en train de voir l'implication de l'armée ougandaise. Et au même moment, l'armée ougandaise, bien sûr qu'ils ont précédé, avant même que les attaques avec le M23 ne commencent, ils sont à Beni, mais on ne signale pas des essidats de leur côté. Ça, c'est une chose, mais au même moment, nous sommes en train de vivre leur implication du côté du M23. Alors la question, on la posera à la personne qui est mieux placée pour qu'il nous dise, essaie de nous éclairer sur cette contradiction. D'accord. Parlons de cette manifestation, alors de ces manifestations, on a vu au Katanga. D'ailleurs, le gouverneur lui-même, on l'a aperçu dans la marche de soutien au FRDC. Au Katanga, Maniema, Kindu, Kinshasa, on a vu hier, jeudi, les gens s'est mobilisés dans les différentes rues pour soutenir les FRDC et dire non à l'agression rwandaise. Quel signe pour vous? On voit que d'autres provinces, après Goma, c'est que vous, d'autres provinces, se mobilisent. Oui, c'est un signe fort, un signe d'unité. C'est ça la force chez nous en République démocratique du Congo. Et donc celui qui est à l'ouest, il est rassuré que ou il n'est pas d'accord que le Nord Kivu soit détaché de la République démocratique du Congo, parce que
il sait ça chez lui car il est à l'est ici à République ici à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ce qui s'est passé, c'est un signe d'unité pour les peuples congolais, et les peuples congolais restent soudés sur l'intérêt général, sur l'intégrité territoriale, sur ces frontières héritées de la colonisation, que le Congo ne sera uni comme on les chantait toujours à l'école primaire. C'est ce que voulaient signifier nos compatriotes. Certains officiers kenyans et congolais, dont le commandant de la 3e zone de défense, le général Marcel Mbangu, le sous-chef d'état-major général chargé des opérations FARDC, le général Chiko Chitambwe, étaient sur la ligne de front, précisément Kanyaruchinya, Buhumba, en territoire de Nyiragongo. Quel message fort que ces officiers voulaient lancer? Parce que c'est juste une motivation, mais aussi nous rassurer que tout évolue très bien. C'est juste ça, et aller motiver les militaires au front, montrer qu'on est déterminé. C'est comme ça que nous sommes en train de gagner la guerre. Il y a une forte motivation du côté de l'armée. Mais aussi chez nous, peuple, disons que le général est à la ligne de front, il nous prouve sa détermination de finir avec cette sécurité, qu'on puisse vivre quand même un tas de paix et de sécurité qui nous a manqué pendant presque toute notre vie, et nous surtout cette génération. D'accord. Revenons sur cette dépêche qui résume la situation d'hier. L'armée congolaise, en tout cas, a engagé hier jeudi des avions Su-25 contre les rebelles du M23 qui se sont emparés ces derniers jours des nouveaux villages et d'un territoire de l'est de la RDC. Des avions de chasse ont bombardé. Et des chars ont pilonné les positions du M23 à midi, a déclaré par téléphone un habitant de Kibumba, localité située à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale provinciale, Goma. Nous avons espoir et nous avançons, ajoute une source sécuritaire. L'armée avait mené des premières frappes le 8 novembre avec des avions et qu'elle n'avait pas en tout cas à réengager depuis. Selon des sources administratives et des habitants interrogés, plutôt dans la journée, les M23 restaient à l'offensive dans ce secteur de Kibumba. Mais il a aussi en tout cas progressé vers l'ouest du territoire de Rutshuru, dont il contrôle les quarts sud et est frontaliers de l'Ouganda et du Rwanda. Donc voilà, en tout cas ici, ce dépêche de nos confrères parle de d'engagement également. Donc l'engagement de nos FARDC aux côtés des opérations de Kibumba, avec surtout l'intervention des avions de chasse. Ah oui, il y a un engagement. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse mettre fin à cette situation, évidemment. On a repoussé, et on continue à repousser, mais on n'en a pas encore fini. Nous attendons les résultats finaux qu'on a finisse. Il paraîtrait qu'à certains moments, c'est le M23 qui attaque les premiers et que nous venons maintenant avec force. Donc nous avons la force de mettre fin à ce désordre. Je pense que comme nous sommes engagés maintenant, il faut attaquer jusqu'à bouter l'ennemi dehors. Pas parce que nous avons attaqué hier, alors il y aura encore une trêve, un moment pour ne pas attaquer. Ça donne encore à l'ennemi une force parce qu'il se reconstitue de nouveau. Ça vraiment c'est notre inquiétude, ça nous avons constaté. Qu'on continue à repousser et jusqu'à ce qu'on boute l'ennemi hors de nos frontières et que nous puissions commencer à vivre ces moments-là attendus toujours. D'accord. Les services de sécurité ont intercepté des armes lors de l'accostage du bateau à Ganz en provenance de Goma.
ce jeudi 16 novembre à Bukavu. Les auteurs ont été arrêtés, dit en tout cas le gouverneur du Nord Kivu, du Sud Kivu, pardon, Théo Kasingwa Bijei, qui rassure que les auteurs seront en tout cas déférés devant la justice. Comment comprendre cela? On a l'impression que les armes circulent. Hein? Tout à fait, c'est un moment tellement critique, un moment où tout est possible. Si notre appareil sécuritaire ne tire pas attention, il y aura une surprise malheureuse peut-être. Mm-hmm. Vous imaginez là, ce sont des armes qui ont été interceptées au niveau de Bukavu, alors qu'on est parti de Goma jusqu'à Bukavu. Mm-hmm. Que dire de nos services, surtout des GEM? Mm-hmm. Voilà, vous voyez, et quand il s'agit de simples individus, mm-hmm. ils sont forts à tracasserie, parce que ce secteur aussi doit être, disons, réformé. Mm-hmm. Il y a des anciens, d'ailleurs, beaucoup de Rwandais occupent ces postes. Comment ça? Occupent ces postes, nous l'avons vu avec l'ancien régime, bien que maintenant que ce sont des services qui sont dans l'administration, on ne vient pas, on chasse les gens. Mm-hmm. Mais on peut placer les gens selon les liens stratégiques. Vous voyez, mm-hmm. ça veut dire que notre DGM ici au niveau de Goma était au courant de toutes ces choses. Ils sont complices. Comment les armes pouvaient être chargées dans un bateau, mm-hmm. au point qu'il n'y a pas même mis un service de renseignement, de contrôle. Tout ça, il y a des services là. Vous voyez, c'est un danger. Mm-hmm. Donc, il faut vite qu'on passe à la réforme d'autres services. Oh, la réforme, comment? Est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur qui a été commise? Bon, quelle erreur, je pense que déjà, les dangers pressentis, quand on voit la faiblesse de nos services, mm-hmm. et les services qui devaient jouer un grand rôle, surtout en ce moment ici, mm-hmm. où notre sécurité est menacée. Mm-hmm. Vous voyez, les bateaux quittent Goma jusqu'à ce qu'ils soient interceptés à Bukavu. Mm-hmm. Mais ce n'est pas facile, vous imaginez tous ces auteurs qui étaient là, mm-hmm. qui sont supposés être, disons, M23, mm-hmm. Qu'il monte le bateau, ça qui est un service qui puisse signaler. Non. Merci Gédéon. Parlons aussi de cette actualité de Bunia où on nous parle qui est en tout cas suite bien sûr à l'appel, à la mobilisation du chef de l'État. Il y a eu départ de nouvelles recrues de Bunia pour la formation militaire. Un écho favorable pour les jeunes ituriens, dit le lieutenant Gilles Ngongo. Oui, Bunia d'ailleurs avait précédé dans cette bonne foi et dans cet esprit-là patriotique. Avant d'ailleurs, il y avait un recrutement à Bunia. On a vu les jeunes filles s'enrôler, mm-hmm. donc déterminées pour défendre la patrie. Bunia est en train maintenant de rejoindre Goma, mais partout ailleurs. Mm-hmm. On voit que les jeunes vraiment sont déterminés, mm-hmm. et de s'enrôler à l'armée parce que réellement, ils en ont marre avec cette sécurité. Mais mm-hmm. ce qui est important, c'est du côté de notre gouvernement, de mm-hmm. bien prendre en charge Merci. Ces jeunes-là, les encourager pour que les autres viennent, parce que nous avons besoin mm-hmm. d'un effectif pour essayer de faire la sécurité de notre pays. On peut les encourager, les jeunes étudiants, pourquoi ne pas aller... ne pas les amener à formation Israël et peu partout pour faire une armée qui est professionnelle, et cela va encourager beaucoup de jeunes pour encore rejoindre l'armée, mais aussi améliorer leurs conditions, surtout leurs conditions sociales. Merci beaucoup GDO d'avoir été là ce matin. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif en direct sur Congo Live Télévision. Merci aussi pour ce privilège que vous nous avez toujours accordé. Je vous dis encore bonne matinée. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Vous avez aimé l'entretien, n'hésitez pas. Lâchez vos commentaires, surtout abonnez-vous. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Je vous dis bye bye.